Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La journée commence bien. On a un petit garçon qui boude, qui ne veut pas déjeuner. On est en train de déjeuner. Viens, regarde, j'ai ça. Alors, je vous explique le drame du jour. On est le 8 et j'ai plus de gâteau. Enfin, faut que j'arrache des gâteaux, mais voilà. Je me fais un cappuccino. Voilà. Faut que je rachète des gâteaux et ben les gâteaux qui me restent à la maison ne lui conviennent pas. Donc voilà, viens boire ton chocolat au lait. Alors du coup, je vous montre le petit déjeuner. Owen a un chocolat au lait. La journée commence bien. Après, on a un gâteau pépito un peu écrasé, mais voilà. Ou alors, on a des gâteaux comme ça. Ou alors il me reste une barre de céréales, comme ça. Mais rien ne lui va. Tu veux quoi? Tu veux du fromage ou un yaourt? Il faut que tu déjeunes, hein. Et avec ça, on a du jus d'orange. Et voilà. Sauf que moi, je vais juste boire mon café, enfin mon cappuccino et un peu de jus d'orange, mais franchement, là, la journée commence bien, quoi. Je vais vous dire un truc maintenant, parce qu'à chaque vidéo, j'oublie. J'ai un compte de TikTok, mamam.poule2, venez me rejoindre. J'ai également un compte Instagram. Je suis désolée, je parle du nez, je suis enrhumée. J'ai également un compte Instagram qui est Marine Family, donc venez me rejoindre. Là-bas, je suis plus active que ici, notamment sur TikTok. Viens ici. Viens déjeuner. Bon, si j'en ai marre. Quoi? J'arrive. Nature peinture, ma vie. Quoi? Oui. Après, je t'appelle. Nature peinture, ma vie de maman. Aux toilettes, donc voilà, nature peinture. Ça va? Oui, allez, colorie. On colorie quoi là? Le mois de Mais non, le mois de vendre. novembre, exactement. Et on fait quoi? On colorie le mois de novembre. Ok. Avec Alors aujourd'hui comme travail, ben, il va colorier le mois de novembre. Après, il y a une petite évaluation à faire. Donc je vous laisserai mettre la pause pour lire. J'ai commencé, mais après je vais le faire J'en ai marre. avec Owen. J'en ai marre. Ensuite, vous voyez, je me planifie comme ça. Ensuite, aujourd'hui, il y aura ça à faire. Il y aura cette page-là à faire et cette page à faire. Voilà comment je m'organise. Hop. Et voilà un peu le travail fait. Alors là, c'est ce que j'ai planifié. Je vous l'ai déjà montré, mais voilà. Ça, c'est les dernières choses que vous avez sûrement pas vues. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on est resté en pyjama. On s'habillera après. Je suis pas coiffée. Je suis en Pour aller pyjama. où? Pour aller où? On va aller acheter des gâteaux, du papier toilette, et après on verra. D'accord? Allez, colorie. Faut savoir qu'Owen est un petit garçon qui déteste colorier. En fait, il a pas la patience. Du coup, à chaque fois, il dit j'en ai marre, mais il a pas la patience en fait de faire. Arrête. Et du coup, ben. Du coup, voilà, je vous montrerai après du coup son dessin du mois de novembre. Et puis, on va travailler. Je vais essayer de vous filmer ça. Mais je vous préviens, je suis en pyjama. Donc, Et nature moi peinture. aussi, au Toi aussi, t'es en pyjama. pyjama, oui. Allez, vas-y, mon cœur. Il nous fait Regardez. le hibou rose. Tout va bien. Alors, je vais y montrer les lettres juste ici. Mais je ne vais pas y montrer dans l'ordre. Sinon, ce serait trop facile. Et comme vous avez vu. Sûrement, je vais devoir. Vas-y, mon cœur, continue.
Là, je vais voir quelle lettre il connaît et reconnaît ou reconnaît pas. Donc, je vais lui montrer, mais pas dans l'ordre, sinon c'est trop facile. Et oui, dans l'ordre, il les connaît. Hop, voilà, vous voyez. Là, il va voir, je vais voir les lettres qu'il connaît. Et du coup, ben, on va voir ça ensemble. Et voilà. Le mois de novembre est colorié. Oui. Allez, tu ranges les crayons? Ok. Allez, super. Alors, ça, ça va là. Plus que les crayons. Allez, range les crayons. Et prends les par un, hein, sinon on y est jusqu'à demain. Hein. Pourquoi? Allez, hop. Voilà. Alors, maman va te montrer des lettres. Vas-y, ferme-le. Maman va te montrer des lettres. Tourne-toi, s'il te plaît. Maman, range. Voilà. Maman va te montrer des lettres. Tu vas me dire quelle lettre c'est. Ça. S. S, super. Ça. B. B, oui. Ça. D. D. Celle-là. A. Super. Celle-là. M. Comme maman. Comme maman, ouais. U. U. Super. Celle-là. S. Non. Loupé, c'est Z. Z. Celle-là. T. D. Non, T. T. C'est pas grave. Ensuite, celle-là. H. H. Celle-là. Pas connu. C'est quoi celle-là? C'est le C, oui. Celle-là. E, oui. Celle-là. O. O comme O-N. Yes. Celle-là. M. Non. O-N. Non. C'est quoi celle-là? Tu la connais? W. Ah, merci, j'ai eu peur. Celle-là. N. N. C'est dans mon prénom. Ouais. Celle-là. O. Non, G. Celle-là. Attends, j'avais connu ça. Celle-là, c'est quoi? Non, ça. Ça, c'est quoi celle-là? Numéro 2. Oui, il y a écrit 2, mais c'est quoi celle-là? Celle-là, là. I. Tu la connais pourtant, mais bon. Celle-là. L. L, super. Celle-là. K. K, super. Celle-là. J. J, super. Celle-là. B. Pardon? P. P. Comme? Comme papa. Comme papa. Ça, c'est quelle lettre? Q. Q. Celle-là. Q comme quoi? Comme qui? Celle-là. C'est quelle lettre, celle-là, là? Qui a ici aussi? R. R. Celle-là. U. Non, c'est V. Celle-là. Celle-là, c'est un croix. Oui, mais c'est un X. X. Celle-là. Comme Johan. C'est un I. Y. Y. Bon, super. Maintenant, tu vas prendre l'ardoise. Tiens. L'ardoise.
Et tu me fais des vagues. Des vagues quoi? Des vagues, comme la mer. Voilà un petit aperçu. Alors maintenant, tu vas me dire ce que c'est que maman va faire au tableau. Ok? Ok. Vas-y, mon frère. Quoi? Il est là. Alors. Attends. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Non, c'est quoi? C'est un. Mais tu le sais. Bon, attends, on n'est pas dans les lettres. Je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Carré. Un carré, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est mal fait, mais bon. Triangle. Un triangle. Ça. Un rond. Un rond, voilà. Je savais que tu le connaissais. Et ça? Un rectangle. Un rectangle. Très bien. Alors, l'évaluation, elle est finie. Oui. Maintenant, on va faire du graphisme. Regarde. T'as vu, il y a les outils. Donc, on va faire avec la scie les lignes brisées. Avec la perceuse, les vagues. Avec le tournevis, les vagues. Non, ça, c'est les boucles. Les boucles avec la visseuse, les vagues avec le tournevis et avec le marteau, on va faire les ponts. D'accord? Et on s'applique pour avoir un bonhomme. Sourire. Sourire. De tiens. Allez, on s'applique, monsieur. Me revoilà, comme on peut voir, je arrête de gommer la table. Merci. Comme on peut voir, je me suis habillée parce que j'avais trop chaud. Là, je suis assise à côté d'Owen parce qu'il va avoir besoin de moi pour faire cet exercice. Tiens, mon cœur. Alors, là, c'est de l'écriture. C'est quelle lettre, ça? B. Non, P. P. Et le P, il fait quoi? C'est bien. Ça, c'est quelle lettre? C. Non. D. D. Et le D, il fait quoi? Le D, il fait quoi? D, 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 D. C'est bien. Et ça, c'est quelle lettre? C'est quelle lettre ça? R. R. Et le R il fait quoi? Le robinet. Très bien. Alors là il y a écrit couronne. Mais il manque une lettre. C'est soit P, soit D, soit R. Écoute-moi. Écoute-moi. Couronne. C'est quelle lettre qui manque? C'est quelle lettre? Couronne. C'est quelle lettre? Oui, c'est quelle lettre ça? R. Tu le mets le R du coup? Allez, mets le R dans couronne. Super. Ensuite, là, il y a roi. Roi. Mais pareil, il manque une lettre. Roi. C'est quelle lettre qui fait? C'est quelle lettre? Non. Attrape la gomme là-bas, Doudou. Là, tu as écrit doigt. Doigt. Moi, je veux roux. Là, sur les feutres. Sur les feutres. Owen, là. Il est aveugle. On va y arriver. Vous m'avez demandé de sur Instagram de vlogger quand je fais l'école aux petits. Donc, bah, je vous écoute. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, Marine Family, et sur TikTok, maman.poule2. Donc là, c'est roi, R, R, roi. C'est le R, je l'ai dit, ça va être vrai. Super. Là, c'est un dragon, dragon. Dur, je trouve ça. Dragon. D. Super. Allez, vas-y. Alors,
colorie en bleu le premier lapin? C'est ça? Le premier. Le premier. Il est où le 1? Voilà. Le premier lapin. Allez, vas-y, colorie-le en bleu. Le premier, le 1. Et les pattes. C'est bon? Non. Alors, attends. Oui. Ça finit? Oui. Maintenant, colorie en jaune le troisième lapin. C'est ça. Le troisième, compte. 1, 2, 3. Le troisième lapin, colorie en jaune. Oh, celle-là est triste. Ouais. Oui. Allez, colorie le troisième lapin en jaune. Super. Je vous passe le coloriage. Et le... C'est bon. Maintenant, tu colories le dernier lapin en vert. Le dernier. Celle-là est triste. Oui, il est triste. Le dernier, c'est lequel? Alors, on y va courir. Non, c'est pas lui le dernier. Le dernier, c'est lequel? Oui, allez, vas-y, colorie-le. Et voilà, super, bravo. Et voilà, école finie pour aujourd'hui. Je vais faire à manger, c'est 11h57. Je suis désolée si vous entendez des bruits, genre voiture et tout ça. Je suis en train d'aérer ma maison, du coup la fenêtre est grande ouverte. Et à midi, je vais faire simple parce que là, j'ai plus grand chose. Je vais faire des pâtes au thon. Et puis cet après-midi, on ira acheter du papier toilette, des gâteaux parce que j'ai plus de gâteaux pour mon fils. Il me reste 3 pitchs. Et encore. Et après, faut que je fasse absolument 4 courses parce que c'est la dèche. Et puis voilà, je verrai. Mais de toute façon, je vais pas faire beaucoup parce que je vais à. Comment ça s'appelle? Je vais à Carrefour ou à Casino. Je pense que j'irai plutôt à Casino. Et c'est pas donné. Je peux pas aller à Lidl parce que, ben, comme j'ai pas de voiture, c'est la grosse galère. J'ai pas envie de payer le bus. En plus de ça, 2 euros le bus. Donc bon, oui, aller-retour, ça fait 2 euros. Oh, j'ai mal au bras. Donc ce midi, ça sera pâte au thon, simple et efficace. Ah, mais attendez, je crois que j'ai des restes. Ah, mais non, il me reste du poulet d'hier. Donc je vais pas faire des pâtes au thon, parce qu'il y a du poulet. Il me reste du poulet que j'ai fait cuire hier, parce que j'ai fait cuire une barquette de 1 kg. Sachant qu'on n'est que 2, donc après il y a eu mon chéri qui est venu manger. Mais bon, c'est pareil. Du coup, il me reste du poulet de hier, donc parfait. Et ben, je vais faire des pâtes avec de la crème fraîche et le poulet. Parfait tout ça. Et c'est encore moi. Ouais, j'ai remis mon pyjama. Mais en bas, je suis habillée. J'ai remis mon haut de pyjama parce que je vais faire réchauffer le poulet d'hier soir. Et il y a du gras, donc comme je vais me tâcher, je préfère tâcher mon pyjama. Et je vais faire des pâtes. Donc ça, c'est le poulet d'hier soir. Et comme... Oh ouais! Merci. Je peux pas parler avec lui. Oh! Oh! Je parle! Je parle! Attendez. Je suis là. Donc du coup, comme je vous disais, je déteste le gaspillage, du coup c'est pour ça, ben, ça vous voyez. Il m'en reste pas mal en plus. Il m'en reste pas mal du poulet, donc c'est hors de question que je le jette. Il a décidé de crier aujourd'hui. Et voilà, je voulais vous dire, parce que j'ai regardé un peu les rushs précédents. Alors là j'ai un soutien-gorge, mais oui, tout à l'heure on voyait mon téton. Ouh là là, un téton, vous n'avez pas paniqué, hein. C'est... la nature, et comme vous le savez, je suis nature peinture. Oui, tout à l'heure, quand j'étais en pyjama, pour envoyer mon téton. Enfin, envoyer la forme de mon téton. Soyez pas choqués, soyez pas outrés, et ne soyez pas 50 à me le dire en commentaire, ça servira à rien. Je suis nature peinture, j'étais pas à poil, j'étais habillée, on a vu une forme, c'est rien du tout. Ne paniquez pas. Et là, oui, j'ai remis mon pyjama ben, pour faire le repas, comme je vous ai dit, mon haut de pyjama. En bas, je suis habillée. Donc voilà, ne soyez pas choqués, ne me mettez pas 500 commentaires. Là-dessus en tout cas.
Voilà les valous. Mais par contre, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que ça, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Ah oui, j'ai pas réussi à couper. Alors, du coup. À tes souhaits. Merci. Pas beaucoup. Il est fou ce temps. Vous l'entendez faire des vidéos. Je sais pas si on m'entend, du coup je vais parler plus fort. Je disais, il est fou cet enfant, vous l'entendez faire des vidéos là-bas. Ah là 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 là, c'est dégueulasse. Et voilà pour le poulet. Non, je ne veux pas. Tu veux pas quoi? Poulet, poulet. Tu veux pas de poulet? Bah si. Non, moi je ne veux pas. Est-ce que c'est Wally qui décide ou c'est maman qui décide? C'est moi. Est-ce que c'est maman qui fait des bêtises? J'en ai marre. Depuis ce matin, j'arrête pas. Ah oui, vous savez pas, vous. J'ai renversé ma tasse de cappuccino. Oui. J'ai dû me refaire un cappuccino. Toujours comme ça. Pourquoi? Je sais pas mon cœur. Alors attendez 2 secondes. Pot de crème fraîche. Oui, je vais la mettre dans le truc du poulet. Attendez. J'ai carrément un pot de 1 kg de crème fraîche. Ça, c'est top. Mais je la goûte parce qu'elle est passée, mais ça se mange. Comme ça, je mettrai la crème fraîche avec un petit peu de goût de poulet dans les pâtes. T'entends un avion? Ouais, moi aussi, je l'entends. Tu l'entends? Tu le vois? Oui. Tu le vois? Non. Je précise, il n'est pas au balcon tout seul. Pas folle. On va faire chauffer la crème fraîche avec un petit peu du jus du poulet et on mettra ça dans les pâtes. À midi, repas très très simple. Tu l'entends pas? Moi, j'entends plus, il est parti. Il est parti. Par contre, repas simple, mais les épices, la base, hein. Du poivre. Du sel, de l'ail et des herbes. Quoi, non, pas déjà. L'ail, c'est quoi? L'ail, c'est ça. Viens voir. Viens. Viens. Aïe. Bah. Tiens. Sans. Je vais le mettre. Hein, j'en ai mis déjà. Ça sent bon? Ça pue? Ça pue. Oui, me demandez pas pourquoi il a un chapeau dans la maison. C'est mon fils, j'abandonne. Je savais que t'allais sauter. Bon, bah, on se retrouve plus tard. Alors, petit outfit, je crois qu'on dit comme ça, du prince. Alors, regardez pas le mur. J'ai mon chat qui l'a défoncé. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, mon chat a griffé tout le mur. Je ne sais pas comment je vais réparer ça quand je vais devoir partir. Tu me montres comment t'es habillé, mon cœur? Oh. Tu montres qu'est-ce qu'elles ont tes chaussures? Tu montres ce qu'elles font tes chaussures? Oh, elles s'allument! Tu te tournes? Waouh! Pour ceux qui me connaissent, qui savent que j'aime pas mettre du noir à mon fils, t'as des beaux cheveux. On coupe les cheveux? Non. Pourquoi? Parce que j'aime bien les cheveux longs. D'accord. Trop beau. T'es prêt, on y va? Oui. Allez. Tu t'amuses avec ton ombre. Alors, du coup, on vient de rentrer. Je me suis attachée les cheveux parce qu'il y avait grave beaucoup de vent. Hop, attachée à la roche. Je vais vous montrer les petits achats. Non, toi, ils ne sont pas attachés, mon cœur.
Je vais vous montrer, attendez, hop. On ne voyait pas trop mon loulou. Du coup, on a vu sur le magnifique porte-manteau. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a acheté. Rien de bien intéressant, mais bon, voilà. Je ne vous ai pas filmé parce que je me dis que le vlog va déjà être assez long. Alors, du papier toilette. On a pris ça qu'on va goûter. Je ne connais pas du tout, c'est tout nouveau. On va goûter, on verra bien. Ensuite, il y avait un calendrier de l'Avent, mais du coup, pour la petite anecdote, il y avait des calendriers de l'Avent Spider-Man et des calendriers de l'Avent La Reine des Neiges. Et Owen, il m'a dit, maman, je peux prendre La Reine des Neiges? Et moi, je stéréotype pas du tout. Je lui dis, oui, prends La Reine des Neiges si La Reine des Neiges te plaît, prends La Reine des Neiges. Du coup, ben voilà, il a un calendrier de l'Avent Reine des Neiges. Oui, c'est mixte, commencez pas, hein. Bon, c'est un peu ma faute parce que j'aime pas Marvel et du coup, ben, je crois que je lui ai transmis. Mais bon, voilà, il a pris La Reine des Neiges parce qu'il voulait La Reine des Neiges. C'est pas réservé aux filles. Du coup, on a racheté des gâteaux. Alors, des BM. On a pris du fromage râpé parce qu'on n'en avait pas pour les pâtes. On a repris des gâteaux comme ça. Des petites gaufres. Et voilà, c'est tout pour les gâteaux. Après, j'ai pris du beurre. Parce que j'ai plus de beurre et ça fait plusieurs fois que je fais à manger au beurre à tartiner. C'est pas top. De la mayonnaise. Parce que, ouh, pareil, j'en ai plus. Et après, j'ai pris ça, ben, valeur sûre. Hein, au cas où qu'on n'aime pas les autres. Et pour finir, j'ai pris le calendrier de l'Avent de Owen à 20 euros. Playmobil. Pirate! Voilà, vous savez que chaque année, Owen, il a un calendrier de l'Avent joué. Donc, le voilà. Du coup, on va goûter ceci. Ça a l'air épais, hein. Tiens. Non, tourne-toi, s'il te plaît. Merci. Voilà à quoi ça ressemble. Attends, attends. Maman, elle me montre 2 minutes. Non, tourne-toi. Voilà, tiens, tiens, tourne-toi. Mais tourne-toi. Tiens. Pour moi, elle est dégoûtante. C'est dégoûtant? Tu veux pas goûter? Oui. Tu veux pas goûter? Je veux pas goûter, oui. C'est pour ça que je veux pas goûter. Ah ben, elle a raison. C'est pas bon. T'as raison, c'est pas bon. T'as goûté? Non. Tiens. Ça, c'est la valeur sûre. Tu veux? Ça, c'est la valeur sûre, hein. Oui, mais t'as pas entendu. Tiens. Elle croque. Je dirais une glace. Croque. Je dirais une glace. Je vais le finir, mais bon. C'est bon? Ah ça c'est bon là. T'as raison, on va au canapé. Me revoilà, je vais avec une amie et mon fils. On va voir l'amoureuse de mon fils. Je vais avec une amie du coup chercher à manger. Voilà, tout simplement. On se retrouve souvent le soir pour aller chercher à manger ensemble. Attends moi Owen. Et puis voilà, en fait ce sont les... Comment expliquer? Okay, ça, les trucs du périmé du jour des magasins. Et voilà. Je ne peux pas dire plus parce que je veux pas qu'on sache la ville où j'habite. Donc voilà. Owen, on le voit de loin avec ses chaussures qui s'allument. Et puis c'est parti. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais arrêter le vlog là. Comme ça, je vais essayer de le monter et de l'envoyer. Owen, attends-moi! Je vais essayer de le monter et de l'envoyer tant que je suis dehors. Ah mince, j'ai un appel. Abonnez-vous.